Ok, allez, on va essayer de le faire, ce foutu boss là. Oh là là. Il est dur, hein. Ah, j'ai pas retenu son nom. Alors. Faut pas que j'oublie de récupérer mes runes quand même. Je vais baisser mon bouclier. Je prends ça. Pour augmenter ma défense physique, j'ai pas changé d'arme, super. On va essayer d'y aller sans invoque. Voilà, le chevalier de la mort. Porte bien son nom. Voilà, il pète mon endurance. Il a récupéré sa vie. Voilà, d'accord. Alors, je l'avais affronté une fois. J'avais un bouclier. Et il a fait ça. Mais j'avais un doute. Parce que je découvrais le boss. C'était la première fois que je l'affrontais. Et donc, c'est bien ça, en fait. Donc, quand il passe en phase 2 et qu'il chope, il récupère la vie. Alors, là, c'est que je suis à l'effigie de Marika. Hein. J'aimerais bien retourner au site de grâce, mais c'est tellement loin. Pour éventuellement me stuffer différemment. Et dans l'esquive de ces coups, en fait, il y a des coups que je dois garder, d'autres que je dois esquiver. Là, par exemple, ce coup-là, je dois le garder. Pour le contrer, en fait. Là, j'ai plus d'endurance.
putain. Et ça one shot en plus. Ouais, bah, les dégâts débiles de ce DLC en plus, je suis en New Game plus 11. Alors faut vraiment attendre quand il fait ça. Alors, je vais quand même essayer de... Parce que le katana, c'est bien parce que c'est rapide. Mais il faut juste que je compare avec le... Avec un gros marteau, là. Le bâton putréfié. Après, là, je suis en charge lourde, par contre. Et si je mets ça... Ah, je reste en charge lourde, ouais. C'est problématique, ça. Par contre, c'est problématique. Alors, je vais enlever ça, voilà. Je veux juste voir si, avec une grosse arme, s'il prend l'impact, en fait. Parce que je serai plus lent, évidemment. Mais s'il y a de l'impact. Ah, et puis je devrais reprendre le... ouais, je devrais utiliser la fiole hein, pour éviter d'être one shot. Ouais, il prend l'impact. Ouais, il prend l'impact. Okay. Heureusement que le coup il whiff. Hein. C'est bien d'y avoir une mise à jour là. Et savoir s'il prend aussi la putréfaction. Important de savoir ça. Alors là, j'ai déconné, j'ai fait le gourmand. Mais ok, donc il prend quand même l'impact. Mais j'ai pas l'impression qu'il proc la putréfaction. J'ai pas l'impression qu'il prend la putréfaction. Et à ce jeu-là, il faudrait que je compare avec lui. Lui, je repasse en lourd. Ouais, lui, il est terrible, horriblement lourd. Hein. Le marteau d'enclume hein, est terrible, cette arme-là. Par contre, il fait des dégâts de feu, mais là, je passe en lourd. Et là, le lourd, ce n'est pas une bonne idée. Malgré que j'ai augmenté l'endurance, ça ne suffit pas. Ça ne suffit guère. Bon. Et pour l'instant, je vais rester comme ça. Merde. Donc, je suis sûr, en activant l'arc runique aussi, je pense que ça irait mieux, mais bon. Parce que là, le bouclier de l'érudit me sert que sur le début du combat. Hein, parce qu'après, le reste du combat, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de placer ça. Doucement, frère. Ouais, c'est ça qui est traître.
merde. Là, j'ai complètement déconné. En fait, je voulais tester si le bond de l'arbre monde, si ça le met au sol. Alors, ça le met au sol, mais ça dépend du pattern qu'il fait, en fait. Quand il fait son attaque tournoyante, en fait, il va pas au sol. Donc, du coup, voilà. Bon, ça peut être une bonne idée pour le terminer, mais pas comme ça, en plein combat, quoi. Bon, après, là, très clairement, hein, j'invoque, si j'invoque, je le tue, hein, facilement. Voilà. J'invoque Tiché ou bien l'alarme immitratrice et c'est terminé. Hein. Mais bon, on va essayer de faire 100. On va essayer de faire 100. Oui, j'ai pris mes runes. Bah, jamais fait cette attaque, c'est la première fois que je vois. Alors, il proc la putréfaction, donc ça c'est bon, après 1 milliard de coups, et j'ai stoppé son attaque, sa chope, mais en contrepartie, il a fait cette super attaque-là, dont je ne m'y attendais absolument pas. Alors, ok, donc du coup... Je vais mettre ici les contre-attaques. Améliore les contre-attaques. Je vais mettre ça pour le contre-attaquer, en fait. Hein. Tout simplement. Et je pense qu'une ou deux fois, je peux lui placer une attaque chargée.
Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, je pense que je tiens le bon bout. Alors là, je voulais absolument prendre la fiole. J'aurais pas dû, parce que j'avais le momentum du combat. J'aurais pas dû vouloir prendre la fiole. Quelle heure il est? C'est bon. J'aurais pas dû vouloir prendre la fiole, mais bon. Je ne regrette pas. Jamais regretter l'audace. C'est la connerie qu'il faut regretter, mais pas l'audace. L'idée en soi était bonne. Mais bon. Voilà, je mets un peu plus de son. Allez, on reprend le crabe. Hop. Allez, on va se le faire. En solo. J'étais coincé là, dommage. De toute façon là, le combat était très très mal embarqué. J'étais pas bien là. Bon, parce que la première fois que je l'ai embarqué, que je l'ai affronté, donc j'ai invoqué Tichy, qui fait des gros dégâts là, et je l'ai mis mi-barre, même un peu moins, et c'est là qu'il a fait sa phase 2 là, quand il te pécho là. En fait, il a pécho Tichy, il m'a pas pécho moi. Et j'ai vu sa vie, elle était bien, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ça. Et donc, bon. J'ai la réponse à ma question. Pas bien que j'arrive à le stun encore. Bien. Bien, pensez pouvoir encaisser. Merde, oh putain. J'aurais dû esquiver le dernier. Hein. Il est facile à esquiver cette attaque. J'aurais dû esquiver. En plus, là, j'avais réussi à le contrer. Ouais, il faut se taper hein, des attaques lourdes R2, là. Je suis tenté de mettre le talisman qui donne plus de... qui améliore les attaques chargées, mais je me connais, si je mets ça, après, je vais tout le temps avoir envie de lui faire des attaques chargées. J'ai appuyé trop vite sur le bouton. Oh, le salaud, il m'a touché. Thank you.
Ah oui, c'est sa super attaque. Oh, il me touche. C'est pas grave. Je suis audacieux. Je vais être stun un jour. Oh, il me touche à chaque fois. Je me sauve. Putain, je suis bête. Je suis super bête. Oh le con, putain, je le tenais là. J'étais bien derrière le poteau là, j'aurais pas dû bouger là. Toutes ces saloperies elles se sont empalées contre le poteau. Pourquoi j'ai voulu bouger? Bon, je pense qu'il y a une ou deux fois dans le combat, il y a quelques coups que je peux éviter. Alors quand il fait sa toupie là électrique, il arrive toujours à me toucher là. C'est un peu bête ça. Hein. Ah putain, c'est dommage. Bon, allez, c'est la bonne. Là, j'ai pris la confiance, là. Tu vois, il me touche. Pas grave. Ouais, d'accord. En fait, quand il tape le sol, ça fait. Je pense que les éclairs, ils traversent le sol, quoi, tu vois. En fait, quand il fait le deuxième tournoiement, il faut que je trouve le moyen de vraiment esquiver dans son dos, en fait. C'est pas évident, hein. Ouais, il est dur, hein. Tout simplement. Hein. Voilà, il est dur, hein. Ce qui tape fort, il pète l'endurance et il faut vraiment avoir le skill de. Il y a certains moments où il faut esquiver et d'autres moments où il faut contrer en fait. Il laisse peu de temps pour s'organiser donc. Voilà, typiquement, ça, c'est gratuit. Après, tu vois, il enchaîne. Tu vois, là encore, il me touche. Voilà. Ouais, putain, là, je les stun rapidement. Là.
Merde. Ah si, j'ai stoppé. Ah merci la hitbox foireuse du jeu. Oh putain, le décor, ah là 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 là. Putain, je suis deg. J'avoue, j'étais surpris qu'il me le sorte aussitôt. Hein. Donc c'est pas du tout à mi-barre en fait. Hein. C'est, on va dire, allez, un tiers quoi. Bon. Évidemment, évidemment qu'il allait faire cette attaque-là, évidemment. La coincer dans le décor, parce que en fait, je vois pas où est-ce que va l'attaque, en fait. J'ai réussi à l'esquiver une fois, et comme je pensais, en fait, faut vraiment esquiver derrière son dos, à partir quand il fait le deuxième tournoiement, mais c'est franchement pas évident, quoi. Évidemment, hein, là, il a senti la patate, donc il a sorti, évidemment, le pattern le plus relou. Bon, bah... Ça, on a l'habitude hein, avec les Souls. C'est parti du jeu. Hein.
Deck, putain, je suis deck, j'étais super bien parti là, oh là là. Ah, je suis dégoûté. En fait, c'est prendre la distance parce que, en fait, quand il charge cette attaque au sol, en fait, c'est la même animation que quand il fait les tournoiements de ses haches, et je pensais que c'était ça. Bon. Ah, j'étais bien parti là, j'avais fait un bon start là. Jamais j'aurais dû me prendre ça, putain, je suis deg. En tout cas, ces éclairs, elles sont grave stylées. Hein. Ah, putain, c'est là. Ces éclairs-là, j'espère que dans le DLC, on peut débloquer là ces lances de foudre-là, elles sont grave stylées. Hein. Parce que c'est certainement moi. Incantation préférée, hein, trop stylée, les lances de foudre hein, dans les Souls. Thank you.
Respecte-moi, respecte-moi. Respecte-moi, respecte-moi. Respecte-moi, respecte-moi. Respecte-moi, respecte-moi, s'il te plaît, respecte-moi. Respecte-moi, voilà. Et au moins, Ombre pour 3, 218 000 runes. Voilà, respecte-moi, s'il te plaît. Ok ? Respecte-moi. Il ne te représente plus jamais devant moi. Ok ? Donc là, c'est dans ce cas-là qu'on fait un petit... Voilà, dans ta gueule ! Voilà, tout simplement. Les choses se passent à fond. Voilà. Allez, je me casse. Je me casse de là.